une sauteuse, un filet d'huile d'olive. On a chauffé une belle noix de beurre, 400 g de pommes grenailles, on sale et on couvre. Et on laisse cuire gentiment le concombre, on le pèle et on le coupe en petites lunes. Et passoire, gros sel dans les vies. Les tomates, on coupe en deux, en quatre et on coupe encore en deux. Hop, saladier. Deux belles tranches de saumon, on les essuie bien pour enlever tout l'excédent d'eau. On sale, on poivre, un demi-citron, on y prend le jus. Voilà. 3 cuillères à café de mayonnaise maison, le jus du demi-citron, hop, on y cuit, on sale, on poivre, hop, la sauce pour notre salade. Les tomates, on a rincé et goûté. On réunit notre sauce, on remue, on réserve. Si t'aimes bien mes recettes, pense à un petit pouce bleu, un petit abonnement, partage, partage, partage. Merci. Après 15 minutes, voilà, nos patates sont belles. On les réserve. Une poêle, huile d'olive, feu moyen vif et on pose côté pot. Deux, et on couvre. Et on laisse 30. Après 3-4 minutes, hop, dès qu'il commence à blanchir, hop, on les enlève. Dans la poêle, encore chaude, 8 cl de crème et on sort du feu. On laisse un peu refroidir, hop, on met un peu de persil, grossièrement défait, on remue et on laisse infuser. Dressage. Quelques petites grenailles, notre petit saumon, un petit peu de notre salade légère et on vient juste napper. Hop, avec un petit peu de notre crème persillée. Et là, moi, regardez. C'est pas trop cuit, avec une petite pomme de terre. Mmh, je me régale.